Nous allons déterminer le volume d'un segment de sphère. Pour cela, nous avons besoin de la circonférence de centre, origine du système de référence, et de rayon R. Dans le plan, cette circonférence a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré est égal à R au carré. D'abord, nous isolons le y dans cette équation, ce qui donne de suite y est égal à plus ou moins racine carrée de r carré moins x carré. Ici, nous avons juste besoin de la demi-circonférence qui se trouve au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire pour laquelle tous les y sont positifs. Donc, nous considérons juste plus racine carrée de r carré moins x carré. C'est-à-dire, nous allons travailler avec cette fonction f qui à tout x associe plus la racine carrée de r carré moins x carré. Retenons cette expression algébrique de f, dont le graphique est bien sûr la demi-circonférence supérieure. Maintenant, nous introduisons un nombre h. H, c'est la valeur de là jusque là. Puisque ce nombre-là, c'est R, et cette distance-là, c'est H, c'est que ce nombre-là, c'est R moins H. Je peux varier la valeur de H. Observons également dans la fenêtre à trois dimensions. Là aussi, ça change. Maintenant, nous allons faire ceci. Nous allons juste considérer cette fonction F de R moins H jusqu'à R. Donc nous enlevons le demi-cercle, nous regardons juste cette partie-là du graphique de fonction. Et c'est justement cette partie-là de graphique de fonction que nous allons faire tourner autour de l'axe des X. Observez bien dans la fenêtre à trois dimensions. C'est ainsi que nous obtenons un segment de sphère dont nous allons calculer le volume. Lors du tutoriel F6.0.14, nous avons appris que si on fait tourner le graphique d'une fonction autour de l'axe des x, alors on obtient un solide de révolution dont le volume est calculé par pi fois l'intégrale de a jusqu'à b du f de x au carré dx. Donc ici, nous allons calculer pi fois l'intégrale de r moins h jusqu'à r de cette fonction au carré dx, donc comme ceci. Nous calculons bien pi fois l'intégrale de r moins h jusqu'à r, r moins h jusqu'à r, de f de x au carré dx. La racine carrée va disparaître avec ce carré-là. Ainsi, nous obtenons cette fonction-là qui est à intégrer. Nous cherchons donc une primitive de r carré moins x carré. Et ça, c'est r carré x moins x au cube divisé par 3. Maintenant, nous allons faire varier cette primitive de r moins h jusqu'à r. Ce qui signifie, là-dedans, nous remplaçons d'abord le x là et là par r, ainsi nous obtenons un nombre. Ensuite, là-dedans, nous remplaçons x là et là par r moins h, nous obtenons ainsi un deuxième nombre qui est à soustraire du premier. Et voici ce que nous obtenons. Calculons cela. Si on calcule ça, on obtient r au cube, moins r au cube tiers, donc ça, ça a été recopié, moins r au carré fois r, ça fait r au cube. Le moins doit être distribué sur toute cette parenthèse. Donc le terme suivant, c'est moins r au carré fois moins h, c'est-à-dire plus r au carré h. Et puis, ce moins avec ce moins-là, ils disparaissent. Il reste donc à calculer ceci. Et pour le numérateur, nous allons appliquer la formule
a moins b au cube, ça donne a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube. Donc, nous obtenons r au cube qui sera divisé par 3, c'est fait, et puis moins 3 r au carré h qui sera divisé par 3, donc il reste moins r au carré h, et puis plus 3 r h carré, ce qui sera à diviser par 3, donc il reste plus r h carré, et puis moins h au cube divisé par 3. Voilà, c'est fait. Regardons bien ce qu'on a obtenu. En fait, nous voyons que là, il y a r au cube, et là, il y a moins r au cube. Donc, ces deux termes disparaissent. C'est fait. Là, il y a moins r au cube tiers, et là, il y a plus r au cube tiers. C'est joli parce que ça disparaît. Ça continue. Là, il y a r au carré h, et là, il y a moins r au carré h. Donc, ces deux termes disparaissent également. Et ce qui reste finalement, c'est pi fois cette différence. Différence dans laquelle on peut encore mettre h au carré en évidence. Et voilà la formule qui permet de calculer le volume d'un tel segment de sphère. C'est pi fois h carré fois r moins h sur 3. Observons ce segment de sphère. Donc, dorénavant, nous savons comment on calcule le volume d'un tel segment de sphère.